Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin et le live VIP bien sûr, en sachant que si vous avez envie de passer VIP, c'est demain le meilleur jour pour vos sous-sous, hein, pour rejoindre le Patreon et accéder à tout le contenu pédagogique et mon assistance perpétuelle. Perpétuelle, alors presque la nuit, hein. Presque la nuit. Disons que je me lève très tôt, je me couche très tard et je suis tout le temps sur Discord. Donc ça peut vous aider à mon avis. Bah, la dernière fois la météo était pas trop mal. Je sais pas si de temps en temps vous revenez un petit peu en arrière. Regardez ce que j'ai dit. Je suis pas du genre à faire 50 calls et puis ressortir le dernier qui était bon. Donc si des fois quand la météo elle reste un petit peu comme ça, c'est qu'elle est toujours valide. Et bah, je dirais plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Pour un truc qui date maintenant de 4 jours. Donc voilà. Bon, maintenant, lundi est une autre semaine, est un autre jour. On n'est pas encore venu toucher les 11 750, hein, ça va être un petit peu le point clé. Et bien sûr, vu que on a retrouvé on a retrouvé la semaine. Le retour de semaine, ça veut dire le retour des gros poissons dans le marché. Et ça veut dire qu'on n'est plus libre de faire ce qu'on veut, comme avant. Hein, le Bitcoin, vous voyez? Le Bitcoin, le silver, l'or et le dollar qui fait la même chose inversée. Et alors que le week-end, c'est la fiesta et on fait un petit peu ce qu'on veut, chasse au stop et compagnie, machin et tout, les Big Boys nous ont bien fait savoir qu'ils étaient dans la place et que maintenant, on allait obéir au King Dollar. Hein, donc la bonne nouvelle, c'est qu'on est, qu'on est sur des supports ultra important et que sur un pet de mouche il pourrait péter, hein. Si on passe là-dessous là on est bien, là c'est Crypto Moon, il n'y a plus rien qui les arrête, mais on pourrait aussi monter. C'est marrant d'ailleurs, vous avez vu le discours de Powell, c'était la folie furieuse, fou, incroyable. Et toujours est-il que voilà, on est sur les supports. Un support, généralement, ça tient. Hein, c'est pas un gros support, c'est pas un truc qui tient la mort. Donc ça, c'est quoi? C'est le dollar index. Ça veut dire la valeur du dollar par rapport à environ, je crois, 4 autres ou 5 autres currencies qui ont un petit peu de pertinence dans le monde. Bien sûr, en particulier l'euro. Alors quand je dis support, c'était dernière zone de rebond. Hein. Donc ça pourrait très bien monter fort ici et le Bitcoin chier. Cependant, on voit bien qu'ici, la tendance est baissière. Et que théoriquement, le prochain vrai support, il est ici. On s'attendait à un fuck move. Le dollar a pris la main à partir du moment de la réintégration dans cette zone. Donc clairement, les big boys qui ont leur sous et qui équilibrent leur portfolio entre Bitcoin, valeur à risque et valeur refuge. Bon, on est obligé de faire avec. C'est une bonne nouvelle dans le cadre d'une zone d'une hyperinflation. C'est une mauvaise nouvelle dans le cadre d'un dollar fort et d'un rebond de la moitié. Comment ça pourrait arriver? Alors, ça serait rentable que ça pump en fait. C'est pas probable. Pourquoi c'est pas probable? Parce que Powell a dit que globalement, on va maintenir l'inflation, on va accepter 2%. Et quand on lui a posé la question, mais comment vous allez faire? Bah, je sais pas. On a déjà envoyé toute la purée. Donc, si vous voulez, il a peiné à convaincre, ce qui a justifié finalement cette reprise sur le Bitcoin, sur l'or, et disons cette chute ici. Donc, il y a eu des gros fuck moves, et ensuite chute, et voilà. Et maintenant, on attend. Il n'y a rien qui a changé, et il n'y a rien qui va changer. C'est Powell. Ne peut pas maintenir l'inflation, il n'a pas les outils. Donc maintenant, le seul truc qui pourrait faire un rebond sur le dollar, c'est que ce soit rentable. Et quand les choses sont rentables, il y a des gens qui sont prêts à faire plein de choses. Et là, je ne veux pas faire la sortir la boule du cristal, mais je dirais, je sais pas, déclencher une guerre dans l'Europe, déclarer un faux Frexit, Dutch Six ou la faillite d'un État européen serait extrêmement rentable pour les marchés. Un petit rebond, c'est-à-dire. À défaut de pouvoir pomper le dollar, on pourrait faire tomber l'euro. Je ne sais pas, est-ce qu'on va avoir un event de ce genre-là dans les jours, semaines à venir?
Là, on a la Turquie qui est pas loin, qui est en train de mettre la pression sur la Grèce et tout. Bien sûr, ces annonces qui seraient peut-être fausses ne seraient peut-être qu'un prétexte. Un prétexte à justifier que non, c'est pas de la manipulation de marché. Mais malheureusement, c'est un petit peu comme ça que les choses fonctionnent. Donc, j'ai mis ma petite alerte ici. Si ça passe ici, il n'y a pas besoin de faire davantage de paranoïa, de boules de cristal, etc., etc. Mais sachez que le bon moyen pour le dollar de rebondir, ça serait un petit incident au niveau européen. Il y a le Brexit, mais tu pourrais en inventer un faux d'autre, un faux autre. Ça veut dire que l'Allemagne pense à sortir de l'euro. Et puis d'un coup, ah, le dollar rebondit, les marchés s'affolent. Et même si c'est une fake news, ou si c'était. Non, non, mais on a dit ça comme ça, on était bourré à la sortie d'un repas. Ça suffit pour faire la chose. Pourquoi? Parce que là, beaucoup de gens sont short sur le dollar, qu'on n'a pas eu de vrai rebond jusque-là, et que si on venait à péter, pam, 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 ça serait l'escalade, rebond de chat mort sur le dollar, peut-être le chant du cygne, c'est-à-dire un truc qui ferait poum comme ça, mais ça ferait un massacre sur les marchés. Je le considère parce que je l'ai en tête en fait, je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Et vu que c'est ma chaîne, bah, je vous dis ce que j'ai en tête. Maintenant, si on met Ishimoku, biriche, 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 biriche. Et théoriquement, ça va être une formalité. Ça, sans événement majeur, ça c'est une formalité. Et Powell a dit, j'y arriverai pas. Donc, normalement, bullish sur les cryptos, pas raison encore de penser pullback, mais on est sur le fil du rasoir, vous voyez là. Et des fois, qu'est-ce qu'on fait dans des conditions comme ça parce que les marchés sont putassiers? Si on va péter les lots et on réintègre, et là, la news. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de construire des longs ici et on va pas faire en sorte qu'ils soient riches, les enculés. Hein? On va d'abord les appauvrir et ensuite on part dans la direction qu'ils avaient. Il faut pas mettre ces stops dans des endroits évidents. Donc il pourrait y avoir un fuck move dans les 2 jours qui viennent. Et si ça n'arrive pas, c'est YOLO les cryptos. Hein. On peut sortir les flingues et faire comme dans les westerns en criant de joie. Donc voilà. Mais après, vous pouvez ignorer ça et vous contenter de regarder les graphiques Bitcoin et tout et vous dire non, non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Bah écoutez, moi je trouve que ça marche plutôt bien. Donc, je vais continuer à veiller ça, et puis on verra. Hein, corrélation inversée très forte. Et si on veut avoir une idée de longue, il vaut mieux que le dollar et le silver soient d'accord. Malheureusement. Tiens, là, il a l'air parti pour descendre, donc c'est plutôt beau pour le BTC. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir, au moment où vous voyez, ah ben dis donc, il y avait un rebond là. Regardez, pam, pam. En plus, c'est magique, hein. Je vous donne le secret de la potion magique là. C'est que le Bitcoin a 15 minutes de retard environ. Vous pouvez anticiper. Le problème, c'est que c'est des tout petits moves et c'est chiant. Donc voilà. Maintenant, après, sur les alts, bah, vous faites votre trading d'alt. Elles ont vu que le Bitcoin avance par micro-mouvement. Bah, pour l'instant, il n'y a pas de souci. On entre, on sort, on prend les pourcents et puis on s'en va. Donc, mais c'est pas le but de cette émission. Le but de cette émission, c'est la météo du Bitcoin. Ok, on va regarder un peu le weekly. Weekly, on a fait un genre de hammer là. Pam, on a ravalé la mèche. Donc, plutôt bullish, bien sûr. Il faudrait qu'on ait une continuation au-dessus des 11 837. On verra avec les VIP l'état de la liquidité qui va nous donner des points forts aller et retour éventuellement si on devait continuer à faire du swing. Voilà. Après, si on pète pas ici, bah, tout le mouvement bullish et tout pourrait s'essouffler et finalement on ne ferait que éliminer tout le travail qu'ont fait les boules ici qui était de rattraper les chutes. Si on repart vers le bas, bah c'est les boules qui sont coincées. Donc les boules, je veux dire les acheteurs. Rien à voir avec le pantalon et les services 3 pièces. Parce que des boules coincées, ça fait mal. Voilà. Donc,
Pas grand-chose à dire de plus, sinon que pour l'instant, ça va. On voit qu'en 4 heures, on pourrait éventuellement avoir la continuation, mais de toute façon, le but, c'est de garder les yeux ici, et tout se passera bien. Donc, c'est un peu chiant d'ailleurs, je dirais, hein, cette implication des gros messieurs dans le Bitcoin. C'est super chiant. Au point où je vais probablement envoyer du BTC sur SimpleFX et trade des stocks parce que le Nasdaq est un meilleur Bitcoin que le Bitcoin. Quand j'y trade, c'est-à-dire je ne vais pas investir, hein, je suis pas fou. Mais bon, ça monte quoi. Donc voilà. Sinon, bien sûr, les alts du moment et tout, voilà. J'ai rien d'autre à dire de plus. On se retrouve bientôt. On verra comment la semaine va nous manger. Oui, si, dernière information. C'est ce. Il y a eu la fermeture du contrat CME. Donc, généralement, ça peut être l'opportunité d'un nouveau swing. Un nouveau mouvement conséquent pour le mois qui vient. Et on appréciera que les Big Boys, avec leur système d'expiration, ont annulé un petit peu leur sentiment bearish. Voyez là. Alors, là, c'était parti pour le short de sa maman. Ils n'ont pas réussi. Pam! Donc. Expiration, j'imagine, des options. Donc du coup, ce qui pouvait faire peur et qui pouvait laisser présager un événement du type Mars, eh ben, peut-être que ça arrivera, mais d'abord on a fait le... Enfin, en tout cas, ça se voit plus ici, quoi. On leur a fait les poches. Pourquoi? Parce qu'en général, les leverage funds, donc les pros, sont du bon côté du trade et les retail sont du mauvais côté du trade. Donc là, c'était un petit peu craignos. Bon, après, peut-on vraiment considérer le CME comme les retails du CME comme du retail? Personnellement, je ne pense pas. D'ailleurs, quand on voit ce mouvement ici, pam, pam, on voit clairement qu'en fait, il est parfaitement symétrique et que c'est probablement des gens qui ouvrent ce qu'on appelle des straddles. C'est-à-dire qui jouent un spread entre deux options. Je ne sais pas du tout comment on fait ça, mais... Ça me paraît trop symétrique pour forcément attribuer à des entités différentes. Ça peut être des comptes différents, mais peut-être les mêmes entités. Et autre chose, c'est que bon, les retail, donc les petits porteurs qui jouent avec des contrats de 5 bitcoins sur le CME, ça me paraît pas trop des petits porteurs. Donc, on peut pas trop des. On peut, à mon avis, pour ce qui est de dire que ceux qui sont dans le rouge là sont dans le tort. À mon avis, ils sont trop. C'est des trop gros budgets pour être considérés comme des petits porteurs. On n'est pas dans le cadre de petits contrats. C'est 50 000 balles un contrat CME, bon, actuellement. Donc voilà. Il faut raison garder quant à l'analyse du cote. Voilà. Oh, bah dis donc. Et voilà. Gratuitement, vous avez. Oui, parce qu'en plus, ça fait rien, donc ça redescend ici. Voilà, la recette de la potion magique. Mais voilà, dans un Bitcoin qui fait ça, j'ai l'impression que la semaine va être très, 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 très chiante. Il vaut mieux regarder ailleurs. Sauf si ça s'excite au niveau de l'or ou du dollar. Bon, bonne journée à vous. La bonne nouvelle, c'est que vous avez l'alarme avant. Et on se retrouve bientôt. Si vous voulez apprendre à améliorer votre trading, simplement avoir un trading plan, créer quelque chose qui vous ressemble, essayer de développer votre instinct de survie, donc survivre et gagner dans les cryptos, vous pouvez rejoindre le groupe VIP en rejoignant le Patreon à partir de demain, pas aujourd'hui. À demain!